Christian Alban, Pénélope Prévost, Nicolas Delmat, Cédric Frégaillère, on aura également Dominique Hendricks, Peter DeVos, Olivier Philippart, Philippe Rosier, Richard, Aurélien Leroy, Rick Emery, Abdel Saïd, Kevin Stott. Et on débute cette deuxième partie avec Bruno Garez et son cheval de tête, United Sun-Up. Ce cheval par Balou Grand avec une mère par Brett Sinclair. Dossard 23. Allez, le Bourguignon, il montre un peu tous les obstacles. Son cheval est délicat, donc il faut un tout petit peu, il va lui montrer ses difficultés du début du parcours. Il faut justement qu'il n'y ait pas cet effet de surprise et que le cheval peut tout d'un coup faire une toute petite hésitation et qui déclencherait éventuellement une faute. Je crois qu'il est déjà dans son palmarès de bien belles performances. Oui, ici aussi, oui. Ouais, ici ah, beaucoup ouais. Même. On voit le cavalier qui reste assez en suspension, les mains basses, c'est sa façon de faire et ça soulage bien son cheval qui. Oh, bah dis donc. Ça démarre comme ça. Deuxième ça coupe le moral. Sur le numéro oui, 1. Deuxième coup français, ouais. C'est vrai. Larry. Et tu vois, ce que je viens de dire, et je pensais que j'ai remarqué que Bruno, il lui montrait les obstacles, il a montré le 3 et le 4, il a montré, et je suis pas sûr qu'il ait montré le numéro 1. Tu rigoles, mais le cheval est en début de parcours un peu délicat comme ça, et il a besoin d'avoir cette confiance. Et voilà qu'il saute très très bien. Ah, il y a un look absolument magnifique. Oui, très dans le sang, très moderne comme cheval. Alors au début de sa carrière au niveau, il avait du mal à être dans le temps, mais là ça va mieux, je pense qu'il prend plus de galop qu'à une certaine époque. Voilà, il arrive à sauter dans ce galop-là et très bien. Et Bruno a aussi plus confiance. Hein, dans... Oui, oui, il y a les deux, la force de prendre du métier sur ces hauteurs-là. Là, on va voir ce qui se passe. Ah, écoute, c'est quand même dommage ça. Ah oui. Deuxième à faire cette barre sur le numéro 1 et deuxième français à ne pas refaire de faute du tout et à trouver la solution et ça, à toutes les équations posées par le chef de piste italien. C'est une faute d'émotion, c'est pas une faute techniquement sur la distance, où il avait un bon galop, etc. Mais c'est simplement le cheval un peu ému et voilà. Bruno Garez, donc 7e au classement provisoire, ça reste évidemment une belle performance pour le cavalier tricolore, mais ça l'empêche bien sûr de rejoindre les meilleurs pour le... Pour la finale. Voilà, voilà la bord du numéro 1. Il est... Paf, une petite faute comme ça, mais le cheval est capable de sauter ça 100 fautes, 10 fois, 20 fois, 100 fois. Ouais. Magnifique, Kevin Stott. Kevin, il est parti. Ouais, Kevin Stott avec.